Alors on sort ce soir, maintenant on va parler danse avec le spectacle Chocametch. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jackie Simoncelli, bonsoir. Bonsoir. Et Diego, bonsoir. Bonsoir. Alors Diego est danseur, Jackie, vous, vous êtes chorégraphe. La compagnie Les Mutins, Les Juniors du Pacifique. Le Pacifique, c'est un lieu où la danse, sous la houlette de Christiane Blaise, c'est un centre vraiment de danse, accueille des compagnies. Vous êtes en train de répéter sur place, vous avez fait un gros travail pour ça. Oui, on a fait un gros travail. Le Pacifique, on est un petit peu l'enfant, un petit enfant dans le Pacifique, dans le sens où on n'est pas une compagnie accueillie de manière temporaire. Les Juniors du Pacifique a été fondée pour le Pacifique, au sein du Pacifique. Et donc sur cette histoire-là, elle a rejoint la compagnie Les Mutins, qui est une compagnie beaucoup plus ancienne. Alors on va se mettre dans l'ambiance parce que ce spectacle, il a un rapport avec le Pays Basque, ce pays, ce terroir dont vous êtes tombée amoureuse, Jackie. Oui. J'ai le sentiment. Oui, hein. Beaucoup, beaucoup. Et j'entends quelques notes là. Le Pays Basque, c'est une région magnifique, c'est un peuple magnifique qu'on connaît peu. Et on a eu envie d'aller à sa rencontre, via cette rencontre avec ce musicien Peyo Serbiel, qui a découvert notre univers et qui a eu envie qu'on fasse quelque chose avec lui. Alors c'est justement tout le sens de ce spectacle, de cette création, puisqu'il y a il va y avoir sur scène ces jeunes danseurs, donc ils vont être quand même assez nombreux, hein, 24 danseurs de 10 à 22 ans. C'est un gros travail de préparation. Comment vous vous êtes pris pour fédérer toutes ces forces? Eh bien, j'ai réuni les deux compagnies, donc parce que pour ce projet-là, c'était évident que c'était bien. Il n'y a rien d'autre que ça. Et après, c'est un travail permanent, c'est un travail d'écriture, c'est un travail particulier d'écriture. Une troupe de 24 danseurs, hein, c'est le Ballet de l'Opéra de Paris. Et ensuite, de recherche, de leur donner matière à et de travailler sur les musiques et un emploi du temps de folie. Alors Diego, comment ça se passe? Quel regard vous portez sur la chorégraphe? Est-ce que c'est un travail de forçat auquel vous êtes condamné, ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de plaisir? Non, bien évidemment, il y a énormément de plaisir. On fonctionne beaucoup sur la transmission entre les âges, vu que voilà, on a une palette d'âge assez large, 12 ans de différence, dont je suis le plus vieux. Voilà, on travaille sur la transmission. C'est un partenariat, j'ai envie de dire, entre les danseurs et la chorégraphe. Ça reste le patron, mais ce qui ne nous plaît pas n'apparaît pas sur scène. Ouais, il y a un bel échange, une belle complicité entre vous. Qu'est-ce qui vous a servi, Jackie? Parce que vous aviez les ambiances, vous aviez ces musiques forcément qui parlent au cœur et à l'âme. Et ensuite, il faut un fil rouge, il faut construire. Qu'est-ce qui vous a guidé? Eh bien, Chocametch dit quelque chose là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans un double concept et qui signifierait, si on le résumait un petit peu, qui signifierait étreindre ses rêves, les enlacer. Non pas les attacher pour les retenir, mais les enlacer, les chérir et essayer de les réaliser. Pas d'une manière inconsciente, mais d'une manière vraiment forte. En hommage aussi à cette musique, à la musique magnifique de Peyo Serbiel, toutes les palettes de son art, et d'imaginer un Pays Basque. Et de le rencontrer aussi. Alors la rencontre, ce sera notamment avec une compagnie qui va proposer de la danse traditionnelle et créative, hein, du Pays Basque à vos côtés. Oui, c'est Espela Danza qu'on a donc déjà rencontré. C'est un échange, on est allé danser là-bas nous cet été, en juillet, dans le cadre du festival Gawargi. Et donc on les accueille cette semaine pour présenter leur travail aussi, influencé par cette rencontre aussi, bien sûr. Ça marche dans les deux sens. Et puis qui auront l'occasion aussi de rencontrer plein de gens intéressants à Grenoble, dont le chanteur Anthony Placer, les historiens, etc. aussi. Donc il y a la partie spectacle et il y a aussi la partie échange. Et ils vont présenter une pièce qui s'appelle Ibili, et ce qui en langue basque signifie un petit peu une sorte de balade, un petit peu comme un parcours, un voyage. Voilà, vers ces terres forcément fascinantes et ce pays qui nous parle et qui nous touche. Merci beaucoup Jackie Simoncelli, merci à vous Diego. Chocametch, donc les 21, 22 et 23 octobre prochains, c'est à l'espace 600. Et ensuite, sur le plateau Matézin, le 26 au Ciné-Théâtre de Lamur, 24 danseurs de 10 à 22 ans avec cette belle musique signée Peyo Serbiel. Si vous voulez gagner des places, c'est tout à fait possible sur le 04 76 46 45 deux fois, et notamment pour la représentation du 21 octobre. Merci à vous.